Eh bien, Jean-Benoît! Jean-Jacques! Attendez! Je suis là! Ah oui, attendez, ah. Oui, il faut que je remonte un petit peu, bah oui, effectivement. Oui, ah bah là. Voilà, oui, ça va mieux là. Venez, venez, venez! Ah bah, je filmais vos chaussures. Ouais. Eh bien, bonjour à tous! Vous êtes bien avec les scouts de la section Castor. Section Castor, une queue comme ça, deux dents qui mordent. Et nous sommes aujourd'hui dans la nature. Ah, qui ne connaît pas la nature et ses grands espaces? Verts! Oui, la nature à qui nous devons l'invention du... Jean-Benoît, la nature à qui nous devons l'invention du yaourt. Eh oui, qui ne connaît pas le yaourt nature? Alors, la nature où nous sommes aujourd'hui, car aujourd'hui nous commençons le premier jour de notre semaine de survie. Une semaine de survie, une semaine traditionnelle hein, chez les scouts. Oui. Nous devons donc survivre par nos propres moyens dans la nature. Donc, survivre, c'est d'abord manger. Ah, oui, il faut y penser. Donc, chacun de nous doit développer des astuces pour pouvoir se nourrir dans la nature. Alors, Jean-Benoît, montrez-nous un peu ce que vous avez amené, vous, pour, alors, regardez, pour survivre. Oui. Ce matin, j'ai fabriqué un petit arc. Oui, très très bien. Et regardez, sa flèche, dont j'ai aiguisé la pointe. Faites attention, Jean-Benoît. Ouh là là. Ne pas vous blesser, enfin. Alors, Jean-Jacques. Mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire avec cet arc? Chasser du gibier. Du gibier? Ah oui. D'ailleurs, à midi. Bonne idée. Jean-Jacques. Oui. Gibier frais. Gibier frais. Ah, bah écoutez, je nous le souhaite. Je nous le souhaite. Bon, bah écoutez. Alors, quant à moi, j'ai plutôt développé le côté plante, hein, le côté, voilà, nourriture saine, trouver des plantes comestibles dans la nature. Donc, c'est pour ça que j'ai amené toute une littérature avec moi, afin de ne pas mélanger les plantes. Il ne faut pas se tromper, hein, ne pas prendre une plante vénéneuse pour une plante comestible. Vous voyez, il faut faire très très attention à tout ça, afin de ne pas risquer l'empoisonnement. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Benoît? Tiens, Jacques, j'ai trouvé ça là-bas. Faites voir. Par terre. Un portefeuille. À côté d'un avion cassé. À côté d'un avion cassé. Bon, je l'ai ramassé. Hein, c'est curieux, ça, oui. Attendez, faites voir. Oh, bah dis donc, Jean-Benoît. Oh, bah bonne pioche, hein. Oh là là. Oh là là, bah dis donc. Ah, bah dis donc, vous avez eu la main heureuse, hein. Dis donc, c'est... Donc, bah voilà, hein. Bah écoutez, à midi, hein, resto. Ah, hein. Allez, oui. Je peux prendre du dessert. Ah, bah vous pouvez prendre du dessert, un petit café aussi. Oui, hein. Oui, oh. Je connais une bonne adresse, là. Allez, on y va. Allez.